Et voilà, le moment est venu de notre escapade annuelle dans le Gard avec les potes. Donc si vous voulez suivre nos aventures, attachez vos ceintures et suivez-nous. Donc nous sommes arrivés ici à Arpajärvi. On va s'installer, je vous montrerai des images de la villa plus tard, du village également. Ça y est, on est parti pour l'été du jour. Le kayak, les gars. Le kayak, le fameux kayak du pont du Gard. T'es même pas dessus. On va nous appeler les requins du Gard. Sous la pluie. Et en plus, il pleut. C'est magnifique. Et en plus, il pleut, c'est magnifique. On n'a peur de rien. Choisis le bon jour. On mouille pour mouiller. Allez, on embarque et c'est parti. C'est parti pour le kayak. Une activité de kayak. A few minutes later. T'es là. Alors l'activité du jour, la première du séjour, ce sera le kayak. Donc on se retourne, on a l'eau juste derrière nous. Donc là je suis le JP, pour ceux qui ne connaissent pas, oui. C'est le JP le sportif. Et derrière nous, la cabane, je pense qu'elle est là, oui. Donc là le truc, c'est qu'on est venu ici au point de départ, donc on a laissé la camionnette, enfin le van. Je suis encore à côté de Marc, encore à côté, et je vais avoir l'air d'une crevette. Il ne me quitte plus, oui, ça c'est un peu le... Voilà, ça, voilà. Là. Ah voilà. Là je me sens beaucoup plus petit. Maintenant, voilà. Donc voilà, je disais, donc on a laissé le van ici, on est au point d'arrivée. On va prendre la camionnette du Gaillard là derrière nous, je pense que c'est celle-là. Il va nous emmener au point de départ avec les kayaks et on va revenir ici tout à l'heure. Donc voilà, je vous filme ça à la GoPro. J'espère qu'on va pas trop tomber à l'eau. En même temps avec le ciel qui... Ouais. Ça va être... qui n'est pas radieux. C'est vrai que c'est pas terrible, ça va tomber, mais bon, tant pis. Activité aquatique, voilà. De l'eau, c'est normal. Allez, c'est parti, on se retrouve plus loin. On a tous les kayaks là, prêts à attaquer. Derrière nous, des gilets de sauvetage. Sécurité avant tout. Donc on va enfiler tout ça. Et puis la rivière est juste en bas. Juste pour nous, apparemment, on a privatisé la rivière. Il n'y a personne d'autre que nous. Donc ça va être agréable, je pense. Et le soleil a l'air d'arriver.
Activité kayak terminée, à peu près 3 heures de descente sur le Gardon. Personne, il n'y avait que nous, donc on était les seuls à avoir loué des kayaks aujourd'hui. Donc on a privatisé le Gardon, si je puis dire. On a ramené tous les kayaks, on a ramené tout le monde. Donc l'équipe est revenue au complet. Là, on boit un petit verre au point d'arrivée avec donc Bernard, le responsable ou l'employé de la société Canoë Remoulin. Donc, je vous mettrai de toute façon le lien en description, comme d'habitude. De toute façon, chaque société avec qui on travaille, on met le lien en dessous, déjà pour nous, pour s'en rappeler pour les années futures. Et si vous voulez venir utiliser les mêmes services que nous, il n'y a pas de problème. Franchement, super sympa le monsieur. Vraiment agréable. Donc voilà, on va boire un petit verre tranquille, décompression. Et ensuite, on va retourner à la villa, petite pétanque, et puis on va faire un petit resto ce soir. Donc voilà, ça continue. Nous sommes donc le deuxième jour ici à Arpaillargues. Donc l'activité du jour, c'était normalement escalade et descente en rappel au pic Saint-Loup. Mais petit événement, on avait perdu les clés du van. Donc on a cherché pendant quasiment 1h30 voire 2h. Donc c'était trop tard pour faire l'activité qui était prévue. Donc il y aura une autre activité à la place, ce sera toujours un peu dans le même style. C'est de la Via Ferrata et descente en rappel sur la fin. Donc moi j'avais pas prévu de faire l'activité du jour vu que je suis plus trop à l'aise avec les descentes en rappel, donc je m'abstiens. Donc les camarades viennent de partir à l'instant faire leur activité. Moi je vais aller me promener à Uzès la journée. Donc j'aurais laissé une GoPro, comme ça ils vont pouvoir filmer un peu, on pourra quand même voir un peu ce qui s'est passé, et vous et moi. Donc voilà, maintenant j'attends mon taxi, en l'occurrence mon frère qui est dans la région également, donc on va aller se faire une petite journée en famille finalement. Donc voilà, je vous montre un peu la villa, je vous montre un peu Uzès aussi par après, et puis voilà, donc petite journée chill.
Voilà, donc ils sont tous revenus de l'activité, on n'a perdu personne dans la Via Ferrata. Le caméraman est là, épuisé évidemment, donc là il se rassasie un petit peu. Donc un petit mot Yann sur l'activité de l'après-midi. Ah, il faisait chaud, et haut, sur le parcours. Mais on avait un bon guide, là, des hommes entraînés, en pleine forme physique, donc ça a été tout seul. Nickel. Ben voilà, donc l'activité de demain, ce sera de la spéléo. Donc là, encore une fois, je crois que je vais y échapper. Donc là, c'est Léo qui va beaucoup mieux depuis qu'il a fait la grimpette. Ça l'a survie. Ça l'a requinqué. Voilà, donc maintenant, on prépare le souper. Petit barbecue et spaghettes. Deux trucs tout à fait logiques qui se font souvent ensemble. La spéléo, donc il y a 2 ans j'avais tenté ma chance, mais j'avais fait quelques mètres et j'avais fait demi-tour, donc je m'étais un peu dégonflé. Cette année-ci, je ne tente pas le diable, donc les camarades viennent de rentrer dans le trou. Donc je vous montre quelques images de l'entrée et de l'incursion des potes dans la caverne, dans la grotte. Donc là, ils vont faire un parcours de 2h30, 3h à peu près, je les rejoindrai à la sortie, enfin pas tout à fait, c'est un peu plus haut là-bas. Donc pas évident à trouver, donc il y a une GoPro qui circule de toute façon, donc ça c'est pas un problème, donc il y aura des images. Et moi après j'ai fait des vues du pont Saint-Nicolas qui est un peu plus loin là que je vous montre également après. Je vais essayer de sortir le drone, voir si on peut, mais il y a une zone militaire juste là derrière. Pas sûr de pouvoir décoller, donc si vous voyez des images de drone, c'est que ça passe. Autrement tant pis, il n'y aura pas d'image de drone, mais il y a des belles images déjà à faire avec la caméra. Donc voilà, moi je regagne la camionnette, faire les courses pour le repas du soir. Et je retrouve les camarades à la sortie.
derrière moi le pont Saint-Nicolas. Et ici, en 2000, je sais pas si voilà, la plaque est juste au-dessus de moi. En 2002, il y a eu des crues, donc des inondations ici, et l'eau est passée au-dessus du pont jusqu'au niveau de la plaque qui était derrière moi, donc environ 2 mètres au-dessus, je vais dire. Ouais, 3 mètres d'eau à peu près, donc je vous mettrai sur l'écran la hauteur du pont. Il faut imaginer la hauteur de, enfin, le niveau de l'eau, en sachant qu'ici la plupart du temps c'est à sec, donc c'est assez impressionnant. Voilà, donc je vous mets quelques images que j'ai faites avec le drone juste avant, ainsi que des images prises avec la caméra au sol. J'en profite que j'attends les copains pour vous passer quelques images du village de Harpeyarg que j'ai filmé donc hier. Donc elles vont être pas mal, il y a une vue avec le drone, il y a un peu de tout, donc vous allez découvrir ce petit village bien sympathique du Gard.
Et donc les camarades sont enfin sortis de la caverne. Ils sont là en bas, je sais pas si vous les voyez. Ça va être compliqué je pense, ils sont tout petits. Voilà, on les voit là-bas. Le nombrier. Ah, ça y est, ils m'ont repéré, ils font signe. Et voilà les héros qui reviennent après le combat. Nous sommes au dernier jour de notre séjour ici à Arpaillargues pour la 10e édition entre potes. On est en train de ranger, nettoyer la villa. On va bientôt décoller direction Lyon pour aller manger et rejoindre la Belgique. Vu que la plupart d'entre nous travaillent demain. Donc franchement, c'était une superbe édition, cette 10e. Joe a super bien organisé ça, donc le propriétaire de la villa. Franchement, les potes au top. On s'est vraiment amusé. On a fait plein d'activités différentes. Bon, j'ai pas participé à tout, mais j'étais pas loin et j'ai réussi à voir les images quand même qui m'ont prise avec la GoPro, donc c'était nickel. Donc vivement la 11e édition l'an prochain. Que dire de plus, pas grand chose. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines aventures de la chaîne et des potes. Hein. Donc pour l'année prochaine, il y aura une nouvelle édition. Je vous mets d'ailleurs en fiche et en description le lien de la vidéo d'il y a 2 ans, parce qu'on n'avait pas fait l'année dernière vu que j'étais pas présent. Et activez la cloche aussi, comme ça vous ne manquerez pas les prochaines vidéos encore une fois, mais l'abonnement c'est la base et après la cloche permet de ne pas manquer les prochaines. Ensuite vous pouvez partager la vidéo avec des connaissances si vous voulez, il n'y a pas de souci. Je vous mets de toute façon comme d'habitude aussi en description le lien de tous les guides ou hommes du métier on va dire avec lesquels on a participé pour organiser nos activités. Et voilà, donc prochaine vidéo d'ici 15 jours en théorie. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.